What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos d'une nouvelle vidéo sur le jeu Call of Duty, donc Call of Duty Advanced Warfare, avec les nouvelles informations qui ont apparu d'ailleurs ces dernières heures, il y a moins de 24 heures. Donc alors première chose, donc ce qu'il faut savoir c'est que le nom est officiel, hein, ça a été officialisé par Activision et par l'autre compagnie, donc développeur, et qu'il y a pour l'instant un trailer. On n'a pas eu plus d'infos sur ça, juste que voilà, il y a une date de sortie qui est prévue, le 4 novembre 2014, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'elle sera disponible sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One et la plateforme aussi PC, faut pas la dénigrer. Et que maintenant en fait, et d'ailleurs cette vidéo là a pour but en fait de vous expliquer un peu le système de bonus qui a été rajouté au niveau des précommandes. Donc en gros, si vous précommandez le jeu Call of Duty Advanced Warfare dès maintenant, vous aurez on va dire des bonus en fait sur deux jeux, donc les deux précédents opus, qu'il s'agit en fait de Black Ops 2 ainsi que de Call of Duty Ghost. C'est un peu le même style qu'on a eu avec, je crois que c'était Call of Duty Ghost, sur Black Ops 2. Je sais pas si vous avez vu à peu près, sur Black Ops 2 on a pu avoir, enfin certaines personnes ont pu avoir, certains camouflages Ghost dans Black Ops 2, tout simplement parce qu'ils ont précommandé le jeu Call of Duty Ghost à l'avance. Et ici c'est un peu la même chose que vous propose ici en fait, en gros c'est Activision, ils vous proposent en gros certaines choses. Donc en gros, si vous précommandez le jeu, donc Call of Duty Advanced Warfare, vous aurez certains bonus dans le jeu, donc dans les précédents opus. Donc après ça reste à vous de voir si vous allez continuer à jouer sur Black Ops 2 ou sur Call of Duty Ghost, parce que ici il y a des bonus sur les deux jeux, ce qui peut honnêtement rester intéressant. Donc ça va être au niveau des camouflages. Donc je vais vous donner donc ici un exemple pour le jeu Call of Duty Ghost, qui aura donc des nouveaux camouflages qui seront présents sur toutes les armes, donc des nouvelles textures. Il y aura aussi donc des lentilles, vous savez, pour viser tout ça. D'ailleurs je vais vous montrer des images sur l'écran, puisqu'il y a eu des images qui ont été défilées. C'est officiel, ça a été mis je crois sur le site de Call of Duty, enfin en gros je crois que c'était Activision plus précisément. Donc voilà, donc en gros là on a à peu près toutes les dernières images de ce, on va dire, de ce petit bonus que nous apporte si vous précommandez bien sûr le jeu Call of Duty Advanced Warfare sur les anciens, donc opus, qu'il s'agit de Black Ops 2 et de Call of Duty Ghost. Donc pour l'instant sur Call of Duty Ghost, vous savez quoi, vous avez en gros des camouflages ainsi que des lentilles qui seront disponibles. Vous avez donc un pack personnalisable, on appelle ça comme ça aussi, sur le BO2, excusez-moi. Par contre sur BO2 vous avez un peu plus de choses. Vous avez aussi une couleur, un camouflage avec 3 réticules qui seront disponibles. Voilà, donc il y aura 3 réticules ainsi qu'un pack de cartes qui sera aussi disponible, avec un background aussi. Donc voilà, donc c'est à peu près toutes les informations qui ont été données. Je rappelle, hein, Black Ops 2 avec 3 réticules, donc en gros 3 viseurs différents qui vont refléter un peu... je crois que c'est Sledgehammer aussi, hein, donc et Activision. Donc c'est les deux développeurs qui ont développé plutôt le jeu Call of Duty Advanced Warfare. Donc à laquelle ils ont participé, donc assez réticula. Donc ça sera un peu un nouveau design que vous allez voir. Bon, le design est plutôt moyen, mais bon voilà. En tout cas, je vous ai donné l'information. Par contre, ça sera valable et ça sortira donc le 13 mai. Donc si vous êtes intéressé, tout ça, faut un peu se dépêcher. Et comme ça, le 13 mai, vous aurez un peu ces accessoires supplémentaires sur les anciens opus. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas réellement d'informations. Je ferai donc le plus de vidéos possible informatives à propos du jeu de Call of Duty Advanced Warfare prochainement en tout cas. Et puis voilà, merci encore pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout de me suivre sur ma page YouTube personnelle. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.